Pour présenter au journal, ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubrun. Mais quelques principales informations capables de développer dans le journal là, Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, Cassé-Tête-Tonin, dans le pays d'Haïti, mercredi 14 juin 2023, après elle se participer dans le dialogue, parti politique et organisation société civile qui organisait dans le pays Jamaïque sous direction CARICOM. Ancien ministre de justice et sécurité publique là, M. Michel Pierre Bouinache, dit regretter acteurs haïtiens qui ont participé dans la réunion Jamaïque là, qui par arrivé joindre un consensus pour résoudre une crise politique là, après 3 jours de discussion. Ancien Premier ministre Evans Paul dit qu'il n'y a pas d'attente à un résultat positif qui a sorti dans le cadre contre Chita Paris CARICOM organisé dans le pays Jamaïque avec acteurs politiques et société civile sous crise pays d'Haïti. Jean-Walter Wessel Voltaire, tandis mercredi 14 juin 2023, ancien conseiller spécial, ancien président Jovenel Moïse, Guichard Doré, dans le cadre d'instruction, l'a mené sous dossier assassinat ancien locataire palais national. Porte-parole organisation socio-politique Vive Haïtien Ronny Timothée exprimé frustration gagné par rapport à mariage entre la police et la population qui pas continue fête à cause selon Saldi ta gen gros l'ordre qui passait dans bureau état-major pour boycotter travail population avec la police dans objectif pour continuer by bandio gros j'arrête. Ministère Travaux Publics, Transport, Communication à travers unité centrale exécution organisée mercredi 14 juin 2023, yon atelier formation à plusieurs entités tant qu'organisation femmes, institutions étatiques, secteur université pour nous dire ça yon seulement objectif activité ça, c'est pour relancer projet accélération numérique d'Haïtien HDAP, Banque mondiale a financé pour un montant 60 millions de dollars américains sur une période de 6 l'année, 3 ans déjà écoulés alors que le projet a jusqu'à présent pour démarrer d'après ministre Travaux Publics, Transport et Communication, Rosemont Pradel. Zami internautes, c'est point ça avec divers slots qui peuvent faire essentielle information dans la troisième sortie journal TAC 509, arrêtez branché d'Aptounet pour développement information yo après un coup de pause. Merci à tout le monde qui a choisi de brancher la plateforme TAC 509 pour être capable d'informer dans la troisième sortie du journal TAC 509 pour jeudi, mercredi 14 juin 2023. Il y a un journal qui rêvait possible grâce à journaliste TAC 509 ensemble avec un technicien Lio. Pour présenter au journal, ça, c'est moi-même, Luc Albert Beaubrun. J'en ai annoncé au nom de grand titre, on a démarré le journal là en détail. Avec dossier politique, Premier ministre de facto, Dr. Ariel Henry, qui a été tourné dans le pays d'Haïti. Mercredi 14 juin 2023, après elle souhaite participer dans le dialogue parti politique avec organisation socio-politique qui organisait dans le pays Jamaïque sous direction CARICOM, chef gouvernement haïtien Dr. Ariel Henry, dans le discours il fait connaître dialogue yo pas arrivé abouti pendant lui montrer l'optimisme, il fait connaître dans jour qu'a venir là yo, il a continué parler et puis travailler pour tranquillité et sécurité capable tourner dans pays a et puis pour élection yo rivé organiser comme ça. En écouter Premier ministre de facto Dr. Ariel Henry qui était dans le micro journaliste TAC 509. Dimanche dernier, accompagné du ministre des Affaires étrangères et d'un de mes conseillers, je me suis rendu à Kingston, à la Jamaïque, à l'invitation du Premier ministre des Bahamas, Philip Davis, président en exercice de la CARICOM, pour engager des consultations avec une cinquantaine de compatriotes d'horizons divers en vue d'élargir le consensus de la recherche d'une solution durable à la crise multidimensionnelle que traverse notre pays. Nous avons été accueillis par le Premier ministre de la Jamaïque, Andrew Holness, qui avait visité Haïti récemment, et par le groupe des éminentes personnalités de la CARICOM, composé des anciens premiers ministres de Sainte-Lucie, Kenny Anthony, des Bahamas, Perry Christie, et de Bruce Golding de la Jamaïque, ainsi que de la secrétaire générale de la CARICOM, Mme Carla Barnett. Je veux ici, au nom du gouvernement haïtien et du peuple haïtien, les remercier tous, ainsi que les pays qui ont apporté leur soutien matériel et logistique à l'organisation de cet événement, pour l'intérêt que l'institution communautaire et les leaders des pays frères de la région portent à la crise haïtienne.
Après la réalisation du forum politique organisé les 23 et 24 mai dernier par le Haut Conseil de la Transition, plus d'un se sont interrogés sur l'opportunité de telles consultations à l'extérieur du pays et sur l'utilité d'une telle démarche. Haïti est membre à part entière de la CARICOM. Et quand l'institution communautaire prend une telle initiative, il est normal que le gouvernement haïtien accepte l'invitation. Je suis un homme de dialogue. Et chaque fois que les Haïtiennes et les Haïtiens décident de s'asseoir ensemble pour parler de leur pays, si j'y suis invité, je répondrai toujours présent. On peut regretter que certains de nos compatriotes qui avaient décliné l'invitation du Haut Conseil de la Transition aient préféré se rendre à la Jamaïque. Mais pouvoir les rentrer tous là-bas valait la peine, parce que c'était une occasion de renouer le contact avec eux et d'engager à nouveau avec eux un dialogue franc et sincère. Ne serait-ce que pour cela, cette initiative de la CARICOM était une bonne chose. Ces consultations nous ont permis de constater que sur plusieurs sujets d'importance, nos points de convergence sont plus nombreux que nos divergences. Le gouvernement avait souhaité parvenir à une déclaration commune avec tous les participants sur quelques sujets, surtout sur les sujets auxquels on pouvait facilement trouver des consensus. Nous t'ai proposé pour nous toutes prononcer nous ensemble premièrement sous affaire insécuritaire qu'a brassé bien le pays. Sous nécessité pour nous tête ensemble pour nous faire face à phénomène. Pour nous protéger derrière force de sécurité nous. Comme ça, nous qu'a ramener la paix et sécurité dans tout le pays. C'est sous obligation pour permettre à la population de recommencer à vivre normalement et pour nous qu'a organiser bonne élection que nous devons sécurité. Deuxièmement, nous tous dit nous sommes démocrates. Nous qu'a mettre nous d'accord pour nous dire yon dans mission principale d'un gouvernement en transition, c'est créer conditions pour organiser bon genre élection et bailler peuple haïtien occasion pour choisir librement et libre femme à garçon yo vle mettre dans tête pays dans le parlement dans la collectivité locale yo tout le monde t'a fait pour d'accord avec ça. Troisièmement, puis fort on va dire presque toute organisation politique avec la société civile là, penser pour qu'il y ait un passé main qui fait dans la Constitution. Il n'est pas là où est trop difficile pour nous prendre engagement, pour nous travailler ensemble sur ça, avant d'organiser l'élection générale. Quatrièmement, le gouvernement, avec tout HCDA, était flexible pour étudier quelques modifications dans la structure gouvernement, dans la structure gouvernance pays. Et puis, d'accord pour faire changement dans le gouvernement pour le cabinet plus inclusif dans l'administration publique là, dans la diplomatie à la collectivité locale. Esprit d'ouverture ça, ça doit permettre nous rassembler tout le monde dans un combi pour sauver Haïti. Pour le moment, le dialogue n'a pas encore abouti au résultat souhaité. Mais nous allons continuer. Comme nous sommes engagés à le faire, et nous ferons des consultations autour des personnalités crédibles à proposer par le gouvernement au HCT pour la mise en place du CEP. Les consultations de Kingston constituent une étape dans le dialogue avec l'ensemble de nos compatriotes. Le groupe des éminentes personnes demeure mobilisé sur la question et devrait venir bientôt en Haïti pour rencontrer le HCT et un éventail plus large d'acteurs haïtiens qui n'ont pas pu être à la Jamaïque et continuer de travailler avec tout le monde afin de faciliter le dialogue. Ce dialogue doit se poursuivre et nous allons continuer à parler aux uns et aux autres. Mais nous n'avons pas l'éternité devant nous. Cela fera bientôt 2 ans depuis que cette période intérimaire a commencé. Nous avons cherché sans arrêt à construire des consensus en parlant à tous pour trouver des accords qui nous permettent d'aller de l'avant.
La période intérimaire a trop duré. Nous devons mettre en branle le processus électoral, mettre en place un conseil électoral provisoire crédible et mettre le cap sur des élections générales. Bien entendu, la sécurité étant une priorité et une urgence, le gouvernement continue à travailler pour trouver un accompagnement et des moyens pour nos forces de sécurité en vue de créer cet environnement sécuritaire qui permettra aux partis politiques, aux candidats, à faire campagne en toute sérénité. Haïti, René. C'était déclaration Premier ministre haïtien, Dr. Ariel Henry. Ancien ministre en justice et sécurité publique, là, M. Michel-Pierre Bounache, dit le regretté acteur haïtien qui a participé dans la réunion Jamaïque là, qui par arrivé joindre un consensus pour résoudre la crise politique là, après 3 jours de discussion. M. Bounache dit le souhaité dialogue là, continuer fait dans le pays dans souci pour capable réunir tout haïtien sous vrai problème pays d'Haïti. En écoute déclaration ancien ministre en justice et sécurité publique, M. Michel-Pierre Bounache, dans micro-journaliste, TAC 509. Je me pense que dialogue toujours positif, dialogue toujours intéressant pour observer, bien que encore une fois, il était capable de faire dans Port-au-Prince, même avec les médiateurs étrangers, mais il était capable de faire dans Port-au-Prince. Bon, c'est bien que vous avez délocalisé les en pile monde là. Donc, si on a accordé ce dialogue, ça, je pense que l'État est très représentatif parce que la délégation qui est l'autre bord, elle représente plusieurs secteurs différents. Donc, bon, bien sûr, comme d'habitude, donc, la négociation nous fait aboutir très peu parce que bien souvent, le rapport de force, et nous toujours mettons toute force dans la bataille pour que nous gagnions et puis pour l'autre la perdu. Donc, m'a étonné, m'a saisi le fait que, par exemple, qu'il y a un compromis qui sorti dans la réunion, ça. Mais que je pensais que il y a des avancées, qu'il y a des positions qui assouplissent. Et tu as des moyens pour t'ajoindre ça une solution gagnant-gagnant. Enfin, d'un point de vue personnel, pour moi, une solution gagnant-gagnant, c'est une solution qui permet que nous mettions les bases pour nous gagner un conseil électoral, pour nous batailler contre l'insécurité et en même temps pour tout le monde plus ou moins satisfait et en confiance par rapport à l'exécutif là. Donc, ou bien yo rentre directement yo participer dans la prise de décision yo, ou bien yo gen représentant yo qui a participé dans la prise de décision. Mais malheureusement, c'est pas ça à nous jeunes. Et apparemment, la délégation est retournée en bredouille. Même penser que le dialogue est supposé continuer, mais nous ne pouvons pas attendre trop. Parce que la véritable solution politique, c'est quelle que soit l'imperfection que le gagne, quel que soit le problème que le gagne, eh bien, c'est d'abord les élections. Parce que je m'a répété encore une fois, il y a deux gens capables de pouvoir. C'est ou bien on fait à travers les élections, ou bien on fait à travers les armes. Donc, si nous écartons la deuxième option, donc, il faut nous arrêter sur la première option qui c'est les élections. Mais il faut un temps de préparation, non seulement au niveau de sécurité, au niveau technique, au niveau de mise en confiance de population pour être capable de participer massivement à l'élection. Donc, si l'objectif est salté, je pense que nous avons fini par joindre un compromis. Mais bon, malheureusement, c'est le négocier, c'est tout ou rien. C'est ça qui est le problème. Non? Donc, débat comme ça. Il faut qu'il y ait un compromis. Mais dès lors que nous mettons sous table là objectif commun, hein, qui c'est stabilité que nous cherchons pour le pays d'Haïti. Ça me conseille comme avancer, c'est qu'en prenant du côté de l'opposition, je sens un certain assouplissement. Dans ce sens que nous sommes capables de dire projet de résolution principal là, pas de prévoir des pas pour le ministre. Donc, déjà, nous sommes capables de parler de certains assouplissements. Maintenant, et la discussion, bon, nous, encore une fois, on va répéter encore, et exécutif monocéphale ou bicéphale, c'est un détail. Mais en même temps, lorsque nous arrivons dans la phase, il y a des questions qui, même si c'est détail que nous sommes capables de faire compromis sur.
Voilà, on va écouter l'intervention ancien ministre en justice et sécurité publique, là, M. Michel Pierre Bouinache. On va continuer avec un dossier politique. Ancien premier ministre Evans Paul fait qu'on est libouqué après forum qui se fait à Jamaïque. Là, il est qualifié comme une déception. Ancien premier ministre là, dit qu'il était passé. T'apprends à gagner une solution qui t'a sorti à travers forum ça. Dirigeant Kidlan, Evans Paul, encouragé acteurs politiques pour suspendre, chercher légitimité. Bon côté blanc, mais plutôt chercher connexion côté population, sent-il bouquet à Kako toute la journée qu'a fête sur territoire national. Là, bon côté politicien, yo, on a écouté ancien premier ministre haïtien Evans Paul, cap dit plus en amico journaliste TAC 509. M'a dit nous que moi, Haïk, après déception Jamaïque, moi, te souhaité gagner un bagay qui sorti, même pas tout le chemin côté le bras le passe. Expérience moi, compréhension de crise là, je pensais que nous avons exhibition de faiblesse. Tout le monde faible. Le fait que tout le monde faible, il est difficile pour gagner un jeu qui est capable de forcer gagner un printemps. Et c'est là, véritable. Dilemme, chita. L'autre situation pays, souvent d'être quel que soit haïtien, qui pique gros problème pays à traverser aujourd'hui, il y a de l'insécurité. Et quel que soit pas de signer Jamaïque, la problème insécurité pas tant toujours. Puisque pas de aucun homme qui présent, qui a une capacité, ni autorité, pas dire pas de volonté, parce que pas qu'on voit monter, qui a résolu le problème. Puisque n'a pas de problème insécurité, pas de monde qui a une prise sous problème. Tu as dit, si on papier, problème sécurité résolu. Ça veut dire que c'est une pile chance pour nous passer à côté. En plus, la parler de politique. Politique au service de l'économie. Deuxième gros problème pays, c'est grand goût, c'est précarité, c'est pauvreté. Ou pas senti son question, qui n'a préoccupation, majorité acteurs politiques. Et puis, fondamentalement. Bon bagaille moi-même qui gêne depuis quelques temps, nous plus à chercher légitimité bon côté étranger que bon côté peuple. C'est ça qui explique le phénomène accord, c'est ça qui fait tout. Pas de mobilisation pour accord, pas de mobilisation pour gouvernement, pas de mobilisation contre gouvernement, pas de mobilisation pour opposition, pas de mobilisation contre opposition. Peuple a mettez-le de manière indifférente, la cible, la observer. Alors face à un tableau comme ça. Faut tout le monde comprendre nos bons dilemmes premier, ça pour nous faire, c'est chercher connecter nous à peuple là, parce que politique pays a déconnecté à peuple là. Son question d'accord qui a cherché légitimité bon côté étranger et c'est ça qui t'a mené nous Jamaïque qui fait nous tourner Haïk. Pas qu'on perd du temps parce que nous fait expérience. Nous fait expérience, nous t'ai fait déjà, nous apprenons. Et moi-même, si mon bail est gêné, là, moi, tout acteur qui d'accord, qui en désaccord, monte même avion pour aller Jamaïque. Tout le même avion sorti Jamaïque. Son bail est contingent. Bien content de partir en position pour m'aller. Voilà, on t'a écouté déclaration ancien premier ministre haïtien Evans Paul. Gagné un collectif avocat cap défendre droit monyo qui critiquait acteurs politiques qui t'a participé dans forum qui se fait dans le pays Jamaïque là qui refusait mettre intérêt personnel yo sous côté responsable cadre maître Arnel Rémy fait quoi cet acteur ça yo t'a perdu dans montrer communauté internationale là yo te voulait discuter dans sa salle il encourage pour population à prendre celle en main une façon pour décider avenir politique pays à nos côtés défenseur droit mon nom maître Anel Rémy qui a dit plus dans cadre dossier si là forum ça qui était organisé Jamaïque là était très sceptique parce que écoutez à l'organiser Jamaïque entre les mêmes acteurs bon principe qui toujours les mêmes causes produiront les mêmes effets et ouais problème qui demeure là c'est que les acteurs refusent de faire ce qu'on appelle un dépassement de soi. Tout le monde voulait ses solutions pour nous. Tout le monde voulait ses solutions par où passer. Pendant ce temps, égocentrisme ça, égoïsme ça, de la part de l'acteur, qui pour résultat, l'appauvrissement de la population. Et ça, crise politique, là, sont crise général, crise politique, ça, son crise qui a conséquence sur toute institution de pays. Rien ne marche, c'est ça maintenant. Maintenant, quel débit céphale, quel débit monocéphale, qu'est-ce qui doit importer pour la société, pour ce pays? C'est de trouver une solution d'union nationale. C'est-à-dire, pour qui ça n'a pas perdu du temps Jamaïque? Pour qui ça n'a pas perdu du temps Kingston?
dans monter bus, etc. Dans monter le monde, c'est que nous devons négocier. Mais écoutez, si nous étions là, nous ne voulions pas rentrer dans la logique, quitter l'ego de côté, l'ego personnel, mais si nous disons ça de côté. Attention, finalement, quand venir vient de mon côté, et population, on va décider de faire fort, on parle. C'est le peuple haïtien qui a fait fort, on parle. Parce que écoutez, vous-même comme leader politique, vous-même comme acteur politique, vous-même comme politicien, si me dites comme ça, si nous pas de maturité, attention politique, pour nous résoudre la crise, parce que le peuple haïtien a parlé de ça même. Et par rapport à la question des sanctions, etc., de part et d'autre, département d'État, ce gros rapport, nous sommes en train de constater l'effritement de cette classe politique. C'est-à-dire, tout le monde a disparu là. C'est-à-dire, son scène qui est apparemment vierge là, son scène politique qui est vierge, parce que, moun, qui t'a dit confession, ça qui t'a inspiré confession, attention, regardez, écoutez une déclaration de l'ancien sénateur en Acassis sur la radio télécarré. C'est lamentable, c'est pitoyable. Un homme d'État qui, à gorge déployée, par l'éclat, il dit, écoutez, mais ça te passe, Ou pas, ouais, ça vient jeter plus discrédit, ça vient augmenter méfiance. Peuple haïtien. Nous même pensons que, monsieur, l'heure n'est plus au dilatoire. L'heure nous prend, moun kap vive dans la pauvreté extrême, moun kap vive dans le grand goût, moun kap vive dans la misère, par rapport à refus de faire ce dépassement de soi. Nous même pensons que le temps pour que peuple haïtien prenne des stèles. Forum ça, plutôt peuple haïtien, forum pas le gouvernement là, pour décider à venir politique. Parce que tout autre avenir politique, chita, nommé des leaders, qui imprégné de certains égoïsmes inqualifiables, vous pensez pas rien qu'à tout. Voilà, on t'a écouté déclaration défense des droits, mon nom, Maître Arnel Rémy. Coordonnateur national, parti politique Vive Haïti en Biron, ODG, lui critiquer rencontre qui fait dans le pays Jamaïque, là, qui d'après lui-même, pas porter aucune solution pour payer à Biron, ODG, fait qu'on a un parti Vive Haïti adressé yon correspondance à CARICOM dans l'idée pour exhorter pouvoir actuel là avec l'autre acteur pour yo mettre rapide vite point qui dans correspondance là en application dans objectif pour capable chercher joindre une solution pour retirer pays dans sa lié journée jeudi à en écouter Biron Odige les mêmes qui c'est coordonnateur national organisation sociopolitique Vive Haïti l'a dit plus dans micro collaboratrice non Adiani Oximable. Nous sommes constatés pendant 3 jours, Handicalcom organisé un sommet autour de la crise haïtienne. Ça fait mal là, dans tout ça, nous rappelons Pato Négrier, 1492, botté en pile noir en Afrique, il est venu laguer sous bout de ça. Il a mis un seul bateau. C'est vrai, nous chaque nous sortis dans une tribu différente, nous chaque nous avons un langage par nous, il est venu laguer là, sous bout de ça. Nous gourmets, nous construisons tête nous baillons tête nous en langue qui est le créole. Dessaline Goumen en pile pour te retirer chaîne l'esclavage ça dans pied dans poignet et même dans l'esprit nous avec mode intransigeant nous et dans ringan nous dans chaîne manger chaîne nous permettre chaîne l'esclavage ça et ça de te retirer dans cerveau nous hein jodi a nous remettre dans corps et c'est ça que faut rejoindre jodi a l'international là. Même blanc ça, même l'international là, fois ça, yo pa vini avec vin pran nou nan bateau négrier, yo vin pran nou nan avion négrier. Côté nous tout qui paraît différent yo, qui monte à tendance différente yo, yo vini, yo pran nou tout, yo mette son seul avion et aller Jamaïque ensemble avec yo. Alors c'est là nan pays a, pa gen nou yon qui vle chita parler ensemble avec l'autre, pa gen nou yon qui vle chita pour dialoguer yon avec l'autre autour d'un seul objectif. Résoudre la crise nous gagne là journée aujourd'hui hein nous pas faire blanc montrer nous on l'autre fois encore c'est yo mettre nous pendant parachute ensemble yo prendre nous mettre nous dans seul avion négrier y a la guerre en Jamaïque et malgré nous en Jamaïque nous pas qu'à entendre nous toujours sur divergence nous gagne entre nous et ça qui a attiré attention au niveau Vive Haïti c'est que tout accord qui gagne dans pays a yo tout est présent Jamaïque qui c'est accord pem représentant de Jamaïque accord 11 septembre li gagne représentant Jamaïque accord Mondana li était présent Jamaïque accord et KPTS G8 yo était présent Jamaïque
et accord 21 décembre, yo même tout, yo président Jamaïque. Nous devons toujours apprendre ça. Pour que tout accord ça yo arrive chita ensemble pour nous blender accord ça yo pour nous joindre un accord définitif, pour nous joindre un accord final, pour nous résoudre la crise politique nous gagne là je ne veux dire en dans pays là et ben yo pas en profiter malgré yo rive Jamaïque malgré présence tout accord ça yo Jamaïque yo pas rive blende yo pour nous une solution avec les autres. Au contraire yo tout yo sorti l'autre bois bredou gouvernement sorti avec position pâle yo même le parti politique l'autre tendance yo sorti avec position pâle maintenant qui intérêt pour qui intérêt pour qui ça chaque groupe yo y a défendre intérêt personnel yo chaque groupe yo y a défendre intérêt et mesqué yo pas aucun intérêt de peuple haïtien de pays qui a défendre quel que soit parti politique nous là journée aujourd'hui quel que soit groupe nous là journée aujourd'hui yo tout yo une seule tendance gérer propre tête pa yo gérer politique yo demain s'il veut gérer contrat pour rejoindre demain s'il veut gérer qui j'en ai même eu pral faire pour occuper diplomatie. Par aucun bagage qui a fait pour les Haïtiens dans ce qu'a fait là. Et ça fait nous-mêmes au niveau de Haïti. Nous toujours demander à la population, ça vient là, c'est mieux pour résoudre. Voilà, on t'a écouté, déclaration coordonnateur national, parti politique Vive Haïtien, Biron ODG. Dirigeant mouvement CRI national, l'Éronage Renaldo, plaidé en faveur tête ensemble en amitant tout Haïtien conséquent pour débarrasser pays en bas mais régime ça pour faire place à yon l'autre équipe honnête pour mener bak pays d'Haïti. Léonard Renaldo qui se coordonnateur CRI national dit le regret déception à terre politique al prend la main premier ministre de facto Dr. Ariel Henry dans cadre sommet CARICOM qui pas entré dans logique négocier mousso gâteau à aucun monde. En écouté déclaration Léonard Renaldo qui se coordonnateur CRI national qui dit plus dans micro journaliste taxe Haïti Haiti rive nou eta, fòk tout moun mete yo ansanm pou nou wè koman nou kapab retire pouvwa nan men ekip malfezan sa. Jodi a nou wè se dirijan PHTK, de moun ki te fè gagot nan ONA, nan konsey elektoral, de minis PHTK ki mit peyi nan Italia, de ansyen palmantè malfezan. Jodi a se yo menm kap diskite, kap di men sa yo souwete, conseil gouvernement ou bien conseil d'état etc. Donc jodi a m'pense fòk chodi a li chavire fas an bas pou ke ti fè a li relime pou genyon lòt group moun honèt m'kapab di tout neuf ki pou vin okipe rey peyi a. Jodi a Haiti pa ka fonksyone san ke li pa genyen l'approbation diaspora. Nous-mêmes, dans le CRI national et toute l'autre organisation alliée, nous croyons que nous mettons ensemble pour que nous conjuguions force nous pour retirer Haïti dans sa liste aujourd'hui. Aïe Bobo pour la police aujourd'hui qui est déterminée pour que nous gommions contre bandits. Je parle de bons policiers. Je parle de bandits qui sont dans la police. Donc aujourd'hui, moment arrivé, pour que nous fassions une chaîne de solidarité. Peuple haïtien, je ne dis toujours dit, destin nous, c'est dans main nous liés. Nous supposons organiser nous pour que nous fassions porter bourré. Je dis, nous ne sommes pas capables de rester davantage dans l'état que nous sommes. Non seulement ils ont tué nous, ils ont kidnappé nous, nous ne pas qu'à manger. Équipe Ariel, là, a un matou dans mail pour que nous clouerions tête pays avec tout le monde qui est dans le pays. Donc c'est raison ça que nous-mêmes nous demander peuple haïtien en nous faire une chaîne de solidarité. Et c'est bien malheureux des monde qui dit fait politique, il a discuté un mot sur patate, un mot sur pain dans Ariel. Et Ariel dit les pap bayo. Ariel c'est plus gros criminel pays a été connait qui passe dans tête pouvoir. Donc monsieur dame fusion SDP tout l'autre qui bon côté Ariel yo moun sa yo y a fini avec pays. Donc c'est raison ça
nous-mêmes nous croyons que mobilisation doit reprendre sous toute forme et à travers tout pays pour nous dire Ariel ou faire payer trop méchanceté. C'était coordonnateur CRI national là Jean Renaldo. Leader Kids là Evans Paul fait quoi faut gain disposition qui prend pour gain élection dans pays là dans objectif pour population capable choisir moun qui pour venir résoudre crise si là Evans Paul qui était ancien premier ministre pays dit conscient condition yo pas réuni pour gain élection à cause insécurité a toutefois ancien premier ministre l'a fait connait consensus c'est une action antidémocratique en nous côté déclaration là dans cadre dossier ça cap dit plus dans micro journaliste tac 509 pigou mal le carré au monde c'est ba l'autre pour leçon n'est pas professeur ça me connaît chaque monde chante monde chaque monde dans chaque situation bon jeune capable ajuster ça me penser si bon conseil me capable bail suspendre faire exhibition en faire réunion porte fermée chercher solution suspendre bail peuple à fou espoir dit nous va discuter nous va chercher entente cherchons entente à porte fermée et puis annoncer peuple la bonne nouvelle mon bon monde intelligent qui expérience je fais gros place l'école fait expérience dans l'état nous pensons nous capable jouer une solution et nous obliger jouer une solution parce que peuple là pas capable encore ces messages. Il y a deux dimensions de crise, il y a dimension championnat, il y a dimension compétition. Tout le monde veut ces fédérations, nous tout pas qu'à fédération pour équipe. Moi-même je suis une opinion. Je pense que faut que nous prenions disposition pour nous organiser la compétition. C'est vrai, pas de condition pour l'élection faite, qu'il y a une sécurité, etc. Mais c'est une confrontation démocratique pour qu'il y ait un monde qui a une légitimité pour un pays en main à faire consensus. Là, ce n'est pas antidémocratique. Démocratie, c'est 50% plus 1. Moi-même, ma peau est vivre ensemble. Vivre ensemble, pas de l'étude. D'accord, c'est même pareil. Nous, dans la rue, il y a des gens qui ont voté, des gens qui ont descendu. Nous vivons ensemble, dans le respect règlement de circulation. Mais ça pas veut dire faut nous tous d'accord sur le même bagaille. C'est pour nous organiser règle jouet là pour peuple la trancher, pas dix conditions réunies pour l'élection faite, mais faut nous diviser pour le problème en deux. Un, créer conditions pour l'élection faite, de faire compétition pour peuple la choisir moun livré by responsabilité résoudre problème. Yon l'autre côté, ancien premier ministre haïtien Evans Paul, qui partait panier en bas série sanctions communauté internationale là, apprend contre yon série zotoubre dans le pays, fait croire c'est à cause l'État pas fait travail li qui la cause pays étranger apprend sanctions contre haïtien qui dans le pays, d'après Evans Paul, c'est la justice haïtienne qui doit dire mot parle sur ça qui concernait haïtien. Dans sa li encourager pour reconquérir souveraineté nationale là à travers démocratie dans le pays. En écouter ancien premier ministre Evans Paul qui dit plus un ami journaliste tac 509. C'est parce que pas l'État fait ses étrangers qui prend sanction contre citoyens parce que l'État manque fait travail puisque c'est pas normal. Est-ce que l'État est capable de prendre sanction contre citoyens étrangers quel que soit citoyen si qu'on bagaille reproché lui c'est la loi haïtienne qui doit être enchaînée. Et jusqu'à présent, pas trop tard. Il faut la loi haïtienne, il faut la justice pays d'Haïti. Dis-moi, quel que soit le monde, il y a un bagage sous le dos. C'est ça qui est état de droit et c'est ça qui a fait prestige pays. Là, nous, à la dérive, tout le monde perd du souveraineté sous plan justice, sous plan moral, sous plan économique, sous plan politique. Si on bagage pour nous faire, c'est reconquérir la souveraineté nationale. Là. Et Jean pour nous faire libre. À travers la démocratie, il faut que nous tout pour bailler mandat pour faire, parce que en fait, pour mettre tête ensemble, nous sommes rêves liés, tout le monde n'a pas qu'à mettre tête ensemble, mais nous avons créé une règle jointe démocratique pour nous créer des conditions pour que nous ayons une légitimité pour adresser les problèmes dans le sens intérêt du peuple haïtien. Ce n'est pas une question pour indépendant, il faut demander si on a une capacité, parce que on nous prend. Le dossier du président Jovenel Moïse. Il faut demander dans la justice, est-ce que le nom est justice haïtienne ou bien est-ce que le nom est justice américaine ou est-ce que la justice américaine va condamner le monde. Et jusqu'à présent, nous n'entendons pas l'empile, mais nous n'avons pas rien avancé. Là encore, son rôle, son président, il est assassiné. Dans le pays, la justice, là, même le premier citoyen pays, il n'y a pas qu'à fonctionner là. Il fait nous à genoux tout le alors, je pense que nous avons conscience que nous avons besoin d'accueillir l'autre, c'est pour nous faire des efforts pour nous essayer de conquérir, reconquérir un minimum de dignité nationale. Voilà, on t'a écouté ancien premier ministre Evans Paul.
L'autre information dans le journal là sur ça qui gagne pour avec question justice dans pays a gagné juge Jean-Walter Reser Voltaire lui-même qui tendait mercredi 14 juin 2023 ancien conseiller spécial ancien président Jovenel Moïse a parlé de Guichard Doré dans cadre instruction l'a mené sous dossier assassinat ancien locataire palais national là ancien conseiller président fait connait lui répondre à toute question juge là pendant le soulier instruction en secrète mais il mandé justice pour président Jovenel Moïse qui était mort assassiné la Kali dans pèlerin 5 commune Pétionville dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021 passé à en écouter ancien conseiller spécial président Jovenel Moïse là Guichard Doré cap dit plus en ami collaboratrice non Adjani Oximable instruction en secrète ça j'en ai dit. Au toujours demandé justice pour l'ancien président Jovenel Moïse, je dis à vous te convoquer, est-ce que vous êtes satisfait par rapport avec l'audition? Bon, le magistrat a posé des questions estimées qui sont importantes, bon, moi-même, je réponds. Donc, c'est seulement ça que j'ai dit. Mais président Jovenel Moïse, il y a 4 mois jusqu'à maintenant, c'est qu'ils sont capables de faire ça. 2 ans, il y a 4 mois. Bon, nous souhaitons que le président joue une justice, puisque c'est un chef d'État qui est assassiné. Dans condition humiliante ça donc il faudrait que les jeunes justice pas seulement pour lui-même pour famille et pour le peuple haïtien parce que c'est l'État haïtien de son fondement qui a été attaqué et des mercenaires et des groupes des militaires étrangers associés à des nationaux haïtiens qui viennent pour assassiner le chef d'État la Kaili. Moi je crois qu'il est important que pour la justice faite sur ça et c'est peut-être ça me de répondre et convocation jugée aujourd'hui. Pour vous-même, comment c'est conseiller Jovenel Moïse, c'est une société secrète amie qui peut payer tout ça. Est-ce que d'après vous-même, c'est pas une légèreté qui est la cause du président de Moula Kaili? Bon, Annie n'est pas de tête créé, et c'est le texte à publié dans le moniteur, mais pas de tête en mise en place là. Mais est-ce que vous pensez que la loupe de justice tout le dossier est là? Bon, je pense que c'est un juge qui travaille, le juge qui a fait travail libre, je ne pas croire pour nous dire pas qu'il y a une justice, puisque la justice est saisie du dossier. Donc, on a besoin d'instructions à faire et puis pour ça, pour faire après, on a fait. Maintenant, on est au stade de l'instruction du dossier. Je dis à vous convoquer, comment ça se passe? Très bien, parce que je suis un collaborateur de président, c'est normal. C'est comme un type de renseignement, mais comme donc, l'instruction est secrète. Non, même si ça, c'est. Oui, est-ce que c'est comme témoin ou bien comme. L'instruction est secrète. On a un dernier message avec tout le monde. Je suis le président Jovenel Moïse. Bonne souhaite que la population président Balguin 2 ans depuis le 6-7 juillet a venu à faire 2 ans. Nous souhaitons que tout le monde ait été et laisser la justice faire travail. Parce que si nous faisons conscience de l'état des droits, nous croyons que tout le monde qui est calme et sérénité, il s'assure que la justice aboutit à dossier. Voilà où tu as écouté ancien premier ministre Evans Paul. C'était une déclaration ancien conseiller spécial président Jovenel Moïse Guichard Doré dans le cadre d'audition. Jeudi mercredi 14 juin 2023. Dossier sécurité, porte-parole, organisation sociopolitique Vive Haïti, Ronnie Timothée, exprimé frustration gagné par rapport à mariage. Police nationale d'Haïtien à population qui pas continue fête à cause selon lui-même ta gen gros lord qui passait dans bureau état-major pour boycotter travail population avec la police dans objectif pour continuer bay bandi yo gros jarret Ronnie Timothée profiter tout bat bravo la contentement pour sanction au pays États-Unis prend compte dans divers acteurs politiques tant pour Laurent Salvador Lamotte qui ta gen droit yo trempé bien long dans affaire corruption dans pays d'Haïti. En écouté déclaration Ronnie Timothée dans micro à Adjani Oximable. Je dis, c'est comme quoi que nous voyons tout bel effort que était la police, que était la population qui fait pour faire mariage ça, c'est comme quoi que nous voyons bandits voulaient retourner à l'aise encore. Mais leur vie va ici à mener enquête pour nous connaître qui ça va là exactement, c'est comme quoi que gagnant recommandement la police en capcordé, mais bon l'autre groupe tout cap décordé. Ça veut dire qui ça? Gon groupe moun, le fait que le directeur général SAC là, son directeur général AI, yo tout a boycotté opération, yo tout a désarticulé tout ça que tu fais déjà, en façon pour renverser le directeur général de la police là, pour yo même, pour yo capable d'une en place, directeur là. Mais tout, nous vîmes mener bon gens enquête, nous vîmes joindre, eh bien, il y a un pile parole qui parle comme quoi, qui a même blindé la police, qui t'a boulé, bandit t'a boulé. C'est comme quoi que tu as une complicité, quelques monde dans la police
qui la cause machine ça roule en façon pour montrer vous commandement la police pas grand elle a fait directeur général de la police qui l'a pas grand rien qu'à régler donc le mieux c'est à renverser monsieur ça vous pas rendre compte ces populations qui sont victimes ça vous pas rendre compte kidnapping là il recommencer en bas en bas ça vous pas rendre compte bandio commencer à fonctionner dans série de zones sans problème ça vous pas rendre compte tout moun qui pi faible ou bien moun qui gen moyen moun qui vivent dans pays je dis à y a payer pour casser je dis à nous venir dire avec l'état ou bien moun qui pral gagner pour passer main dans constitution faut garder question à ian le n'a nous directeur général il faut garder tout moun qui dans au commandement la police n'importe moun qui t'a impliqué dans connivence avec bandi moi je pense faut qu'on l'autre forme de bras calé pour moun ça en façon pour population capable de râler en souffle parce que il n'est pas possible pour ne pas prendre bandit dans complicité avec le commandement ou bien moun dans le commandement de la police pour simuler la troupe dans le pays. Uniquement pour poste, si on va rendre compte, c'est le pays qui a crasé et nous-mêmes, nous avons un pays de réserve. C'était déclaration porte-parole organisation sociopolitique Vive Haïtien, Roni Timothée. L'autre information dans le journal là, ministère Travaux publics, Transport, Communication à travers Unité Centrale, Exécution, organisé mercredi 14 juin 2023, un atelier information avec plusieurs entités, tant coup, organisation femmes, institutions étatiques, secteur université, pour nous dire ça, seulement objectif, activité ça, c'est pour relancer projet accélération numérique d'Haïtien. HDAP, par Banque mondiale, a financé pour un montant 60 millions de dollars américains sur une période de 6 années. Cependant, 3 ans déjà écoulés, alors que le projet a jusqu'à présent poco qu'a démarré, d'après le ministre Travaux publics, Transport, Communication, ingénieur Rosemont Pradel, qui précisait premier objectif projet ça, c'est pour améliorer accès à accessibilité services Internet dans l'administration. Public là cap contribué dans développement ville ak région qui en retard et puis créer nouvelle opportunité emploi en faveur jeunesse haïtienne en côté intervention Rosemont Pradel lui même qui dans tête MTPTC l'a dit plus dans le micro Jacques Smith ou bien en connexion dans le cadre de l'éducation par exemple le système éducatif l'éducation nationale côté que toutes les écoles qui a connecté ensemble les universités il y a des échanges c'est-à-dire côté que connectivité a faite sur le territoire national deuxième maladie qui a fait tout le secteur public qui s'appelle toute l'administration publique là il doit connecter on a discuté avec représentant Banque mondiale là côté que m'a dit il faut que nous réfléchissions et garder la possibilité pour nous capables, à travers ce système-là, réduire en quelque sorte la paperasserie dans l'administration publique. Les échanges entre les ministères, entre la primature et à l'intérieur de l'administration publique, c'est des tonnes et des tonnes de papier qu'on utilise chaque jour et des tonnes d'encre qu'on utilise peut-être par année. Donc, ça coûte excessivement cher. Tandis que, vous pouvez gérer ça à travers le numérique, gérer là à travers le numérique, à partir de ce moment, il peut aller plus vite. Parce que, vous pas bien papier, vous pouvez aller, pour tourner, etc., etc. Parce que pour pouvez aller, pour papier aller, pour papier tourner, d'ailleurs, il faut une machine, il faut qu'on monde et qui est engagé pour ça. Tu vois, où vont les aller. Il faut écrire l'être là, et faut ou imprimer dans plusieurs exemplaires pour vous aller, kounia, pour le y a répondre, pour vous papier tourner encore. Donc, ça fait en quelque sorte du temps, de l'argent, et que côté qu'on a réduit en quelque sorte et cette administration en utilisant alors le numérique. Donc, son voie que pour exploiter de telle sorte que nous avons baissé, ça nous a cabré le coût d'exploitation. En quelque sorte, de l'administration, de service à l'intérieur de l'administration publique. Maintenant, pour les écoliers, pour les écoliers, par exemple, les universitaires, on fait expérience avec COVID-19, on fait avec les troubles sociopolitiques qui viennent de pays, nous voyons que nous arrivons à faire l'école à distance. Donc, malgré l'état, le mauvais état de Santa Cabrera, le système Internet, si nous améliorons ça, nous avons un backbone, ça, c'est-à-dire nous avons autoroute, ça, donc ça permet que nous soyons plus fiables et nous avons fait l'école à distance de façon plus sérieuse. Au niveau médical, eh bien, ou quand on est un médecin dans n'importe quelle section communale, la communiquer avec d'autres médecins, même à l'étranger, lui présentons encore en fait télémédecine.
Donc, il y a un paquet d'ouverture. Mais aussi, sur le plan économique, nous dit comment pour rendre bagaille ça, l'ICAB générer l'argent pour le kembe tête li, après que Banque mondiale fin finance l'aller pour ne pas tomber. Parce que le problème qui vient là, nous, qu'a fin fait ça, nous avons une infrastructure, mais nous pas qu'à gérer, nous pas qu'à faire le marché, parce que nous n'avons pas pour lui. Son bail cap sous l'État tout le temps, etc. Maintenant, c'est pour nous garder comment nous avons fait gérer en quelque sorte de l'argent qui permette que l'ICAB est pour continuer, il vient autonome. À travers des activités. Par exemple, on est guinois. Regrouper en association ou bien en coopérative et poisson, pêche, eh bien, ils gagnent poisson, eh bien, ils vendent poisson à travers réseau ça. Ils vendent poisson à travers réseau, ou ils vendent, par contre, biscuits, ou ils vendent, on vend bagay à travers réseau. Ou ils payent pour lui, donc, la générer comme, donc, à partir de ce moment, réseau a généré l'argent de telle sorte que l'ICAB était vivant, même après le départ de la Banque mondiale. Donc, voilà, en quelque sorte, ce que ça signifie. Avoir le système, c'est une chose. Avoir cette infrastructure, c'est une chose. Mais savoir l'utiliser, c'est encore une autre chose. C'est pour cette raison, on dit, il faut une très grande campagne de communication pour vendre l'idée, expliquer ça, ça a représenté son café avec Zoutia. Voilà, on t'a écouté, ministre TPTCA, Rosemont Pradel. Dossier éducation dans le journal là, syndicat employé, ministère éducation nationale et formation professionnelle, SPM et RFP dénoncé complot mafia nationale et internationale au cap fait pour craser système éducatif là. Syndicaliste l'a dénoncé en même temps, responsable dans ministère éducation nationale à formation professionnelle qui a gaspillé l'argent ministère alors que problème enseignant yo pas jamais rivé posé élève yo a travaillé dans un environnement difficile. Lui né Joseph qui c'est syndicat employé ministère éducation nationale à formation professionnelle. En même temps, secrétaire général syndicat ça a annoncé dans jour qu'a venir là yo un mouvement levé campé contre équipe qui na tête ministère pour éviter secteur éducatif là effondré. En nous côté Louis Joseph lui-même qui c'est secrétaire général syndicat l'a dit plus dans micro journaliste en taxe 509. Gros mafia nationale ça yo mélanger comploté avec mafia internationale yo fait fin avec système éducatif noir. Tout le monde connaît depuis colon étranger à colon la caille besoin détruire une nation ce système éducatif pays a yo attaqué en première position. Après, ils ont bondi sous le système qu'ils tirent. Nous-mêmes dans ce PMF, nous tristes en pile. Nous saisissons tout pour nous dans qui est tapé ça y est là. Pour un groupe de femmes appelé de saboter, gaspiller l'argent au ministère comme ça. Et puis, premièrement, grand goût a pété fiel Timoun sous ban l'école. Et puis, bon soi-disant PNCS qui là. Nous avons la brique. Deuxièmement, élèves chita youn sous l'autre dans la salle de classe. Yon empile tant pour sardine. Troisièmement, professeur a pris un pont ya, sa triste, tandis que le ministère a chargé l'argent. FNE, pour nous-mêmes en dans ce PMF, en dans ce syndicat, nous dit c'est chaudière montée sous nos timoun, pourtant l'idée s'en sous nos grands moun, sous nos aloufa, sous nos urbains à tout fait. À partir de jeudi, en tant que syndicat responsable, nous avons déclenché une bataille pour le système éducatif noir, pas fin effondré net à lui. Parce que c'est plein colon en ça même. Bataille la gueule là-dedans. Nous dit journalistes. Rive gen un ministère qui n'a un seul local. Il pas qu'il n'a pas pu passer de 18 locales. Que tout employé ministère arrive et joue 4 débits. C'est seul ministère de l'éducation nationale qui a été refusé par nous 4 débits. Faut ajustement salaire tourner en réalité pour le ministère de l'éducation nationale. Et le syndicat a réclamé 300% parce que le coût de la vie a dépassé l'employé. Quatrième, faut que les gens qui ont plus passé 3-4 ans qui travaillent dans le ministère à jouer un chef correctement. Cinquièmement, faut que l'employé ministère à jouer tout ailleurs et salaire parce que gagne l'argent pour ça. C'est gros chabrak qui a gagoté l'argent. Sixièmement, faut que tout poste qui est vide comble rapidement parce qu'il y a un pile employé à l'an Biden et gagne qui mourit tout. Dans ce sens, ça nous dit n'a veillé. En haut, n'a veillé en bas. N'a veillé pour se pas venir combler vidéo parti zami proche sans qualification et sans compétence. Nous pas fini conférence ça matin pour ne pas mander tout traite, tout comploter, tout mauvais jeu
national de point international suspend détruit éducation pays. Cette déclaration Louis Joseph lui-même qui est secrétaire général syndicat employé ministère éducation nationale à formation professionnelle. Passage ministre Nesmi Maniga, c'est une catastrophe d'après président syndicat employé ministère éducation nationale à formation professionnelle la Gary Lapierre qui fait connait ministre là pas posé aucune action concrète pour améliorer système éducatif là syndicaliste dénoncé menace tout toute qualité même syndicat yo a subi par rapport à position y a prend contre mauvais fonctionnement ministère en sens il plaide en faveur révocation ministre Maniga dans remaniement ministériel premier ministre l'a annoncé à sinon employé ministère dans tout pays a pral entrer en grève en écouter déclaration président syndicat employé ministère éducation nationale à formation professionnelle là Gary Lapierre passage ministre Smith dans ministère a fait un combat extraordinaire. Et passage ministre, son passage, il y a une situation catastrophique parce que ministre n'a pas arrivé, il ne fait rien dans le système, dans le ministère, pour nous-mêmes employés, qui nous connaissons la fonctionnement de nos ministères. Je vous dis à côté de ma parole, là, et nous n'avons pas besoin de faire pléonasme, nous connaissons combien de local ministère est. Le ministre est pour mettre nous dans le premier mois qu'il vient, le premier rencontre nous avec lui. Il y a une COP disponible, il y a un local, il y a un séjour qui a compté pour nous annoncer le local. Jusqu'à présent, le ministre de Campus est gardé, il va nous dire rien. Et avec tout, nous dénonçons un paquet de gagotes qui a fait dans le ministère. Et ça a mis vie nous, syndicats, en péril. Il y a une menace verbale qui fait sur vie nous, vie madame, nous, vie petite nous. Avec vie membre syndicat pour disparaître nous, pour considérer nous en contexte de là. Et nous dénonçons un paquet de bagages, nous ne pouvons dire. Et passage du ministre de Smith, un passage catastrophique pour nous, dans la tête du ministère national, et nous demander. À ce que dans le nouvel gouvernement, le nouveau gouvernement comme nous avons un remaniement, nous dit qu'il faut que vous un ministre dans l'éducation nationale qui charge le problème pour que l'école se fasse. Presque bon. Année ça sont année perdue, tout le monde constate l'école ouvre en janvier et grève en mars. Et jusqu'à présent, nous en grève. Et nous pensons qu'il faut dire que l'enseignant en grève, si nous ne pas arrivé à prendre rien pour aller composer un examen. Et le ministre n'a pas montré tout, il est à la hauteur, mais tâche pour être capable de concilier tout le monde, tout le syndicat, pour être capable de résoudre le problème du système. Le système n'a pas plus de problème. Nous pensons que le ministre nous a dit ça dans un premier temps. Il faut constater l'échec dans le ministère pour être capable de tirer la révérence. Et bon, jusqu'à présent, nous avons dit qu'il y a toujours. Et nous pensons que tout employé dans le ministère, je vous dis à côté de la parole, nous sommes en consultation avec tous les départements. Si le ministre Smith, vous avez un remaniement, vous avez un bail qui fait dans le jour qui vient, le ministre toujours dans le ministère, et nous allons lancer grève dans tous les départements, toutes les sections départementales, vous allez permettre. Parce que je vous dis, nous, pendant cette situation de fonctionnement, côté de la parole, je vous dis là, si vous passez dans tout le bureau, vous avez un droit. On va regarder pas gain papier, pas gain imprimante, pas gain logo mon nous fait besoin yo, on va regarder toilettes sur qui sont des cabirants et si tout dans ministère, si gain des côtés ministère pas rien fonctionner parce que pas rien gaz, pas rien hein, son bilan catastrophique pour ministre là. C'était déclaration président syndicat employé ministère éducation nationale à formation professionnelle la Gary Lapierre. N'a toujours été dans le département l'Ouest là, responsable regroupement organisation pour intégration militant engagé d'Haïti, n'a parlé de Bertoni Théodore qui lance un appel by autorité yo sous situation victime go la pli ak vent violent qui a affecté plusieurs départements dans le pays d'Haïti 2 à 3 juin 2023 qui saute passé à dirigeant Roméa critiqué autorité dans l'État à travers ministère travaux publics qui total absent face à attribution la façon mon a construit dans pays a monsieur Théodore n'a sans estimé que ces populations hein, qui doit prendre destel en main li mandé pour population en tout amplifier mouvement bois calia contre nèg ak sapat mais tout contre dirigeant incompétent qui dans tête pays d'Haïti. En écouté déclaration Bertoni Théodore lui même qui c'est yon dirigeant ou mais li té dans micro journaliste en tant que secrétaire pour faire nous connaître tout ça qui a passé dans le monde là. On ne parle pas dans quatre pays, dans le monde là, le monde entier. C'est la presse, c'est grâce à la presse qu'on fait nous connaître tout ça qui a passé dans le pays. Et Wame, qui c'est le regroupement des organisations pour l'intégration des militants engagés d'Haïti, nous sommes capables de son regroupement qui gagne, de la gagne, 10 organisations qui font partie de Dieu. Plus 120 organisations qui sont dans quatre pays. Ça me dit pas là des mauvais temps ça qui se passe là.
Je dis à un ensemble de négo, l'un pour un oligarque sur le Libanais, négo met le pays en otage. Je dis à Biga, moun rive sous peuple haïtien. C'est ça, président Jovenel Moïse, t'a prôné. Quand il te dit, tu restes là, c'est pour nous lier. Négo oligarque sur le Libanais, et politiciens corrompus, arrivés à assassiner caractère président. Tant de tout là, regardez où le temps passé. Je dis à la demande de protection civile. Protection civile n'a pas fait rien pour nous. Lorsqu'on a 10 départements pays, lorsqu'on a Grand'Anse, lorsqu'on a Okaï, ou prend Jérémy, ou prend Okapaïtien, ou prend Port de Paix, ou prend Bellance, ou prend Jacques Mel, tout le monde s'est sinistré, tout le monde s'est victime. Mais côté instance, côté instance, protection civile, qui soit dit dans ça, ça va passer au monde qui est sinistré. Je dis à nous, protection civile, pas pour rien, rien sérieux. C'est seulement aller sous les liés, parler, mettre vers sur. Comment on comprendre? Yon directeur de protection civile, pour temps passé, les glacés vestis mettent sous lit, belle chemise li, vous comprenez, belle jeans li, c'est mettre botte dans pio pour aller garder les gens qui vulnérables, les gens qui sinistrés. Mais je dis à nous pas comprendre ça, n'est-ce pas, là, je dis à nous pas comprendre ça, n'est-ce pas, parce que je dis à nous, ma bon coup de chapeau pour directeur Voltaire, directeur Fares là, qui a fait un grand travail à travers le département pays, l'aime du directeur Voltaire fait un grand travail dans tout le pays. Parce que directeur Voltaire lui-même, ou après, l'aide a commencé à, quand il est en mettre pied la terre, l'arrivée sous population, l'arrivée sous peuple là, ça c'est à féliciter. Ce n'est pas les gens qui ont mouru pour honorer. Directeur Voltaire fait un grand travail dans le pays. Et tout m'a félicité mon camarade, mes amis, qui est le coordonnateur Charles Simosa, son nous qui est toujours sous béton. Je vais attaquer un équipe pas directeur général, ni pas ministre, et nous. Les temps, ou après, côté la distribuer matelas, côté la baille, palette tout, côté l'acheter diri, à comme dans poche, il fait ticket, pas la baille, me féliciter ça. Mais... Voilà, c'était déclaration Bertoni Théodore, qui c'est yon dirigeant Wame. N'a quitté département l'Ouest là pour nous entrer dans la ville à Kaye, qui toujours fait partie même département. Si là, nèg exam qui occupé sous matla ak titanien fin déchèpier kay tout moun ki nan zone nan. La police poko jam gen contrôle zone sa yo après environ 2 mois. Depuis après attaque yo, c'est presque chaque jour k'ap passé bandi ak sapat sa yo après plis sa territoire. Cependant effectif la police lan nan arrondissement pa répond pour faire face ak bandi yo. Pascal Fleurestil depuis arrondissement Akaye pour plus de détails. Après nèg exam fin envahi sous matla titan et puis force moun yo kite kay yo bandi akzam kap opere nan zone sa yo déchèpier kay moun yo pran tout sa yo genyen zone sa yo redwi ak yon désert pa gen moun frekante yo chaque jour bandi mete coup de balle ap chante la dan yo bien que plusieurs interventions agent la police yo fè nan zone si la yo bandi yo toujours gen contrôle espace yo toute entreprise ki nan zone sa yo obligé rete fermé depuis environ 2 mois. Zone sa yo toujours pas accessible bien que plusieurs ententes qui fait ak bandi yo ak syndicat chauffeur yo bandi yo toujours pour couvrir bay passage sur national là. Ça la cause depuis environ 2 mois machine pas traverser route nationale numéro 1. En plus de ça, chaque jour bandi mette nèg exam si la yo a prend plus territoire. Yo déjà arrivé sous tête marché Chili qui trouvait à quelques kilomètres de centre-ville Cabaret. Ça la cause la Perez a grandi chaque jour la caille tout citoyen qui vivent dans arrondissement. Devant Minasa, effectif la police dans tout arrondissement qui gagne 2 communes évalué à 100 policiers et puis qui pa gen matériel pour au travail. Même Jean ak village dédié et puis Matissan, sous ce matelas, titanien capable considérer tout comme un territoire perdu. Depuis arrondissement Akaye, Pascal Fleuristil, TAC 509. N'a pas entré dans le département la Tibonite, coalition résistance anti-gang, ça vient dans la Tibonite saisie. Pour yon deuxième fois, yon cargaison katouche bandi base Grand Griffe nan sa vient te voye acheter sous frontière Elias Pinas. Quelques minutes après, c'est l'île résistance lan fin saisi katouche yon agent UTAG qui nan commissariat Verret la lancé yon opération krasé barricade ak saisi manchette habitant yo. Situation sa te la cause gros panique ak policier UTAG yo qui te tiré en pile katouche nan localité
des souliers qui n'ont pas sondé. Habitants ont dénoncé agent Itagio tout qui l'ouvrit un business traversé camion gaz à camion marchandises pour gros l'agent américain. En écoutant Désir Vénès depuis Thierry-Rivière la Tibonite pour plus de détails. Réseau gang Grand Griffe cap opéré dans localité Savien à tout département la Tibonite là pas suspend théoriser population dans vallée à mardi pour l'ouvrir mercredi yo débarqué dans localité Grand Rat yo pillé plusieurs business ak plusieurs kay paysans qui dans zone nan yo rivé kidnapper madame Dival en pile moun konnen sou non jet ride yo descend dans base yo ak li dans même mercredi matin yo te planifié pour tal théoriser ti machan dans marché public sur route nationale là dans pont sondé bien jeune bien contré ak membre coalition qui te déjà mette yon embuscade pour yo des bandits dans mitan réseau Grand Griffe qui important en pile rive prend bois calé c'est Diego ak Asne monsieur Sayo yo te kon utilize yo pour voyer yo al chercher munition soit Port-au-Prince à travers réseau gang village de Djea population en fait quoi c'est un gros coup de filet ensemble résistance à coalition en fait pour matin hein, les yo apprendre que yo mette main dans colette Diego ak Asne yo ba yo bois calé population dans région Balatibonite là dénoncer comportement unité Itag qui dans commune Verrette ayer qui Antonio qui débarqué sur tronçon route Liancou pour river Ponsondé dans limite des souliers yo saisi en pile manchette dans mes cellules résistance et tiré en pile coup de balle sur jeune garçon qui était des barricades. Monsieur qui dans cellule résistant Chandelio saisi yon cargaison cartouche qui tap sorti Elias Pignas qui tap descend sous Morodwe pour ta joindre réseau gang Tigriff. Population en fait quoi? La police fait on seul avec réseau gang yo pour créer panique pour faire l'argent parce que à travers insécurité ya policier Itagio créer yon business pour traverser camion gaz c'est $900 américains et camion marchandises cap sorti Elias Pignas yo c'est $500 américains yo prend en main chauffeur yo. Population dans région Balatibonite là mandé à responsable inspection générale et directeur général police là pour mener enquête sous trafic ça policier Itag qui dans commune Verrette a fait dans région Balatibonite là pendant tibis à camionnette qui portait passagers pas joindre protection la police c'est camion marchandises qui a traversé pour l'argent selon population c'est ça qui la cause policier yo mandé pour craser barricade yo et même faire pression sur barricade yo tirer derrière yo accès manchette yo c'est parce que business yo crasé yo mandé avec direction départementale police là même que policier Itagio pas recevoir l'ordre dans mail c'est Port-au-Prince l'ordre de sorti pour agir en conséquence pour pita papitrice c'est le monde pensonde yo pas prend ça encore non mais policier Itagio pour venir tirer sur yo yo même y a utilisé tout ça que yo gagné pour yo faire réplique à policier yo. Moi c'est Désir Vénès, Thierry-Rivière la Tibonite, City Creta Piero pour TAC 509. La fait un coup de pied dans le département Nord-Est, responsable commissariat police Wanamet, commissaire principal Bio Moncher, présenté mercredi 14 juin 2023, bilan opération. Yo mené sorti mois mai pour arriver mois juin 2023, côté environ 50 moun dans une arrestation. Pour qu'à viol, vol, braquage, association malfaiteur, détournement mineur pour nous dire ça seulement, et puis, yon réseau gang démantelé à dé évadé prison, jeune arrestation yo. Correspondant TAC 509 dans le département Nord-Est, la Chino Rosseni Abdinopis. Dans une conférence pour la presse mardi 13 juin 2023, responsable commissariat police Wanametlan, commissaire Bio Moncher, présenté dans la salle conférence commissariat Wanametlan, bilan opération Yomene, soti mois mai pour arriver mois juin, côté environ 50 monde joine arrestation yo pour viol, vol, braquage, association malfaiteur, détournement minier pour ne citer cela seulement. Micro TAC 509, commissaire Bio Moncher fait connait la police dans la commune la mettre arrêté des évadés de prison. Yon te sorti dans la prison civile Gonaïve, l'autre la te sorti dans la prison civile Akaya et moun sa yo déjà remettre by la justice. Sorti moi mai pour arriver moi en juin. Nous arrêté plus d'une cinquantaine de personnes et des moun qui impliqués dans des actions diverses qui t'a nuit population. Si nous avons fait une décantation, nous avons pour que pour les gens qui ont une question d'association des malfaiteurs, c'est-à-dire des gens qui ont des réseaux et qui ont opéré ensemble, nous avons arrêté, sorti moi, mais pour arriver, moi, je suis là, 15 personnes déjà. Et dans la question vol de moto,
nous arrêté 3 personnes. Vol téléphone, nous arrêté 4 personnes. C'est des personnes qui ont campé dans le coin, venant dans le fait noir, et puis c'est ce téléphone dans même monde. Nous arrêté 4. Il y a des personnes qui ont question de détournement des mineurs. Nous arrêté 4 tout. Il y a des personnes qui a volé l'argent, donc vous venez avec nous et puis râler l'argent dans la main, nous arrivons à arrêter. Nous avons des gens qui impliquent dans la question cambriolage, nous arrêtons deux. Il y a des gens qui ont fait tentative d'assassinat, nous arrêtons tout. Il y a des gens qui impliquent dans la question traite des personnes, c'est-à-dire des gens qui ont utilisé les gens, qui ont essayé d'exploiter les gens pendant qu'ils ont violé la loi. Nous avons question traite des personnes, nous arrêtons deux. Et nous arrivons à arrêter tout. Deux évadés de prison, il y a des gens qui étaient sortis de Gonaïve, et il y a des gens qui étaient en prison à carrière, qui nous avons arrêté, nous remettre la justice. Et nous avons 6 personnes qui ont arrêté pour voir des faits, et nous avons 1 personne qui ont arrêté pour viol. Toujours dans le micro TAC 509, un commissaire bio, mon cher, fait qu'on est au mois juin, la police a démantelé un gang qui a opéré dans la commune de la Mette, qui est spécialisé dans le cassicaille en volé motocyclette. Chef gang Silla, qui c'est Joachim Luxis, il est déjà arrêté et puis dossier transféré pour liberté. Pendant le mandat, population de la Mette continue de supporter l'institution et partager information avec vous. Moi, ça, démantelé. Il y a un gang qui a opéré en amène et qui est spécialisé dans le cambriolage. Alors, nous parlons de cambriolage et qui sont cassés-cailles. Les gens qui parlent là, ils reportent ou bien essayer le soir de rentrer la caille pour voler des bagages, voler des fois motocyclettes. Et dans une enquête sens, il y a plusieurs gens qui ont dit que les gens qui rentrent la caille pour voler motocyclettes. Et bien, gang ça qui a été localisé dans zone sens, il y a plusieurs, il y a environ une dizaine, mais la police a déjà arrêté 4 dans yo. Et le chef comme ça, son écrivain, Joachim Luxis, nous avons arrêté et nous avons envoyé le dossier déjà pour liberté. Donc c'est pour nous dire à la population que nous ne pouvons pas dormir, nous avons travaillé, nous avons juste demandé de continuer à soutenir l'institution dans les informations. Depuis la commune Wanamet, département nord-est, pays d'Haïti, Cheno Rosny pour TAC 509. Dans le département NIPIA, coordonnateur conseil Kazek, Silek, 3e section commune, Thierrivière Niplan et Vincent Leblanc, mandé à pouvoir central là pour yon rejoindre une collectivité à un souci pour yon capable résoudre quelques problèmes population a fait face à la section yon. Kazek et Vincent Leblanc, Abdi Plus, un ami correspondant TAC 509, Henri-Claude Clercin depuis Ville-Miragouane. Lui-même, l'État rejoint nous à terre. C'est pas arrêté en l'air, à faire show-off, même Jean et Stéphane Soudil, c'est pas à faire show-off, c'est pas faire un forum pour forum, c'est en entrée dans le conseil, en garder pour nous, comment nous sommes capables de résoudre les problèmes qui ont été journée aujourd'hui. Et journée aujourd'hui, nous-mêmes, nous notre 3e section Silek dans Petite Rivière. Et on va regarder si il y a un monde qui mouri au niveau Belle Villa. Et nous dans 21e siècle, c'est Branca n'a pas utilisé toujours. Mais est-ce que nous-mêmes qui en tant collectivité qui journée aujourd'hui qui c'est Kazek nous capables d'apprêter pour nous garder bagages ça toujours. Mais non, ça va faire nous bien. On va garder qu'il y ait des potes tout, qui pas gagné, ça va être de l'eau potable. Mais si nous sommes dans le 21e siècle, ça va pas faire nous plaisir, ça va pas faire nous bien. Et nous demandons l'État à tout, comme en tant que fonds collectivité, il faut qu'il soit capable de mettre là pour collectivité. C'est pas garder comment l'argent y est pour y a débloquer l'argent, sous débloquer sous nos collectivités sans que nous-mêmes y pas rejoindre nous un paquet de bagages qui a fait. Nous pas connaissons, pourtant des gros moyens qui a débloqué, sous nos collectivités. Merci à tout le monde qui t'a choisi brancher plateforme TAC 509. C'est là nous mettons un bout dans notre 3e sortie.
journal là, un journal là qui t'est arrivé possible grâce à journaliste Ak 509 ensemble avec tout technicien Lio pour te présenter au journal ça, c'est moi-même Luc Albert Beaubois. Bye bye tout le monde, à demain pour l'autre journal.